Mesdames et messieurs, vous venez de suivre le change entre les deux chefs d'État ici, du lancement des programmes, des systèmes, des passations des marchés. Après les in situ que nous venons de vous faire au siège d'Ensemble pour la République dans la commune de Kitambo, mesdames et messieurs, nous avons également pris le point de presse dont le secrétaire général du parti Ensemble pour la République, le député national Dieudonné Bolenguetenge, qui dans ses dires sur la mort du député national Chéribert Okende, cette mort a été occasionnée par la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo entre guillemets. On revient, ces derniers étaient contactés par la Cour constitutionnelle pour présenter la liste de ses biens après de sa gouvernance et ces derniers y étaient sur place dans la concession de la Cour constitutionnelle le mercredi 12 juillet 2023. Mais ces derniers n'y étaient jamais rentrés à la maison. Et ces derniers estiment, selon lui, le secrétaire général d'Assemblée pour la République, que la justice doit être faite pour que on sache réellement qu'est-ce qui était à la base de l'assassinat du député national, ministre honoraire du transport et voies et communications. Dans le même ordre d'idée, quand Dieudonné Bolenguetenge prenait la parole, il a rappelé également que ces derniers, sa mort était comme la même situation de Floribert Chebeya, parce que cet activiste des droits de l'homme avait connu une même issue comme celui de Chéribert Okende, le député national d'Ensemble pour la République. On va encore un tout petit peu prendre l'interview de Moïse Katumbi depuis à l'extérieur de la RDC. On va juste revenir pour aller à la Cour constitutionnelle, comprendre ce qui sera dit au niveau de cette Cour et on va juste revenir. Je suis vraiment en colère. Chéribert a été assassiné. C'est un assassinat politique. Il portait la voix du parti. On veut nous faire taire. C'est pourquoi je rentre au pays. Nous allons demander une enquête indépendante. Car Chéribert, c'était un homme bien. Un père de famille. Un homme très pacifique, très loyal. Il a servi son pays. Il a été assassiné sauvagement. C'est triste pour notre pays et surtout pour notre démocratie. Mes condoléances à toute la famille de Chéribert. Je suis en route et je rentre chez nous et bientôt je serai à Kinshasa pour pleurer Chéribert. Le supérieur de la magistrature présente ses condoléances à la famille de l'illustre disparu. Et nous tenions, je vois beaucoup de micros ici, nous tenions à relever un fait. Nous avons appelé les journalistes, c'est pour que les regards soient canalisés ensemble avec les efforts que la justice est en train de faire. Sur ce, vous me voyez entouré de deux procureurs généraux, mais celui qui aura la parole aujourd'hui, ce n'est pas le président du Conseil supérieur de la magistrature, mais c'est le procureur général près de la Cour de cassation. C'est lui le patron de l'action publique sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ce qui est arrivé, bien sûr qu'il y a eu mort d'homme, mais c'est une mort d'homme qui paraît suspecte. Et je ne peux pas, moi, entraver sur les prérogatives du procureur général près de la Cour de cassation, étant donné que dès les premières heures, quand l'information a été donnée, le parquet a mis sa machine en branle. Donc, ce qui fait que je vais laisser la parole à monsieur le procureur général près de la Cour de cassation, c'est lui qui donnera le premier élément des enquêtes. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs de la presse, vous et nous sommes réveillés ce matin sous une triste nouvelle qui doit nous avoir tous émus. La mort violente, la mort par assassinat
de celui que beaucoup d'entre nous connaissent, M. Chérubin Okende. C'est ce matin, aux premières heures, qu'il nous a été donné l'information que le prénommé venait d'être trouvé dans un véhicule, criblé d'une balle, les corps sans vie, encore attaché dans sa ceinture de sécurité, le véhicule encore en marche, la climatisation également en marche, devant, sur l'avenue des poids lourds, devant CEP Congo, pour ceux qui connaissent Kinshasa. Et aussitôt, il a été déployé autour du véhicule un dispositif de sécurité pour commencer les enquêtes. J'ai personnellement chargé le procureur de la République de se déployer par ses magistrats pour faire la lumière autour de ça. La police, naturellement scientifique, a été requise, étant donné que la mort a été donnée par balle, tirée d'une arme trouvée à côté du défunt, et que par la suite, le corps présentement se trouve à la morgue du cinquantenaire. J'ai dit tout à l'heure que les investigations ont commencé. Le premier élément donc révèle que la mort est survenue par balle. Alors, si c'est l'arme du crime est là et connue, qui est le criminel, c'est derrière ces criminels que nous courons tous. Je voudrais vous informer également que présentement se trouve entre les mains de la justice le premier suspect qui est en train d'être interrogé par le parquet des grandes instances. Les premiers éléments qui seront révélés seront portés à votre connaissance dans les heures qui viennent. Je voudrais également vous informer que des témoignages recueillis ne nous permettent pas à l'instant de vous dévoiler qui seraient les criminels et d'où il est venu. Mais les indices sérieux semblent déjà être entre les mains des enquêteurs, en ce sens que plusieurs concourent à ce que ces criminels puissent être dénichés. Il y a la police scientifique, il y a également au niveau des services de communication, nous devons vous le dire, puisqu'il y a des téléphones qui sont saisis. Tout ça va être passé au crible pour que nous puissions avoir au finish les résultats escomptés, à savoir la découverte de la vérité. Et je ne voudrais pas le dire, mais vous l'imaginez que ces criminels-là, une fois dénichés, sera absolument déféré devant l'instance de jugement. Je voudrais lever une équivoque, ou plutôt mettre fin à certaines supputations. Les réseaux sociaux, nous les connaissons, sont ceux qui souvent vont en sens divers. Il y a peu de temps, je voudrais vous le rappeler, j'avais fait un communiqué de presse pour contredire une information qui avait été relayée autour d'un certain Diego. Ici aussi, déjà dans les réseaux, les gens parlent, donnent des informations, je ne dis pas que nous les négligeons,
Mais nous voudrions alors attirer l'attention de tout celui, au lieu d'aller à la presse, au lieu d'aller je ne sais pas où, détiendrait une information de nature à nous permettre à orienter nos enquêtes, de venir nous trouver. Je crois que nos offices sont bien connus. Ces informations devront nous parvenir en priorité pour nous permettre de vite évoluer. Si monsieur Haut-le-Feu est arrivé, pourquoi ne serait-il pas monté? Si monsieur qui a amené le téléphone, ou plutôt qui a récupéré la réponse à 16 heures, quel était son comportement? Il a retrouvé la Jeep en bas. Il a dit qu'il est venu avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Donnez-nous le temps. Je crois que le travail est en train de se faire. Est-ce que moi je voulais me rendre compte dans quelques jours pour... Rien ne sera. Alors, par là, pour une dernière question. Posez la question. C'est ça la question, c'est tout? Parce qu'après, vous n'avez plus la parole. Terminez votre question. Ma question, c'est... Oui. Est-ce qu'il existe un précédent de ce genre? Est-ce qu'il y a des anciens membres du gouvernement qui ont déjà été invités ici pour ces mêmes motifs? Qui sont-ils? Voilà. Là, je vais donner juste ce moment. Alors, avant que je passe la parole à monsieur le président du CSM, je crois que je voulais juste vous inviter à ne pas voir, déjà parler ce genre de questions, on sent une certaine précipitation derrière, et ça c'est pas bon d'avoir des a priorismes. J'appelle ça des a priorismes. Je voudrais être très objectif avec vous et ne pas me limiter à répondre à ce genre de questions. Je peux confirmer, l'invitation était là, mais c'est normal. Et je ne sais pas, ça va nous faire évoluer dans les enquêtes ou nous sommes dans un cas précis. C'est ma réponse, c'est là, moi j'ai fini. Nous avons commencé avec le président du CSM. Je lui passe la parole pour clôturer la cérémonie. Merci. Mesdames et messieurs, déjà ici à la Cour constitutionnelle, vous venez de suivre la communication du président de la Cour constitutionnelle qui a d'ailleurs cédé la parole à son collègue de la Cour des cassations sur l'invitation qui a été adressée au ministre sur la gestion de ses patrimoines qui dit de leur côté que l'assassinat du ministre honoraire des Transports et Voies et Communications n'a pas eu lieu dans la concession ou dans la cour de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Comment penser si ce dernier s'était présenté ce mercredi à la Cour constitutionnelle pour déposer ses documents? Mais de leur côté, qu'est-ce qu'ils disent? Que le député national Chérubin Okende avait envoyé mandater son collaborateur pour venir déposer un document pour la première fois. C'était aux environs des 10h, 11h. Et après, ce dernier est revenu encore pour récupérer les documents à partir des 16h. Et c'est à 20h que le collaborateur du député national, Eli de Kinshasa, Chérubin Okende, du regret et des raisons mémoires, qui vient de présenter comment ça s'est tracassé. Chez, disons que ce dernier, il était en train de chercher, il est revenu à 20h. Voilà la raison qui vient d'être dit par le président de la Cour constitutionnelle sur cet assassinat, mais également son collègue de la Cour des cassations. On va prendre une réaction à chaud pour boucler la boucle avec vous. Restez connectés. Derrière ces crimes crapuleux, je crois que ça fait partie. Soit nous sommes dans un film de mauvais goût, soit c'est une réalité. Je pense que la justice a été très claire à tous les niveaux. Ils ont expliqué, ils ont donné les éléments de langage. Mais à un certain moment, laissons la justice faire son travail.
Je pense que c'est la meilleure des choses. Mesdames et messieurs, vous étiez très nombreux à nous suivre dans ces nouveaux numéros. Une édition spéciale sur Top 243 News Télévision et sur notre site www.top243news.com. La question autour de l'assassinat du député national Chérubin Okende dans l'après-midi du mercredi 12 juillet 2023 et jusqu'à aujourd'hui, c'est jeudi 13 juillet 2023, mesdames et messieurs, demeure un dossier perplexe. Après avoir fait le rond de l'actualité partout où nous étions, pour réellement comprendre l'espace qui a occasionné la mort du ministre des Transports et Voies et Communications honoraires sous Jean-Michel Sama Lukonde 1, on est resté perplexe. Est-ce que l'opinion nationale et internationale peut retenir que cette affaire aille dans une allure similaire avec l'assassinat dont le secrétaire général d'Ensemble pour la République avait émis au cours de ses points de presse aujourd'hui à Kinshasa? Point d'interrogation. En revient, on prend le point de vue également du président de la Cour constitutionnelle, mais également le président de la Cour des cassations sur toujours la même affaire. On reste encore perplexe. Mais ce qui a retenu pour l'assassinat Chérubin Okende est que la Cour constitutionnelle estime de son côté que l'enquête est en cours. Aussi longtemps qu'il y a l'enquête est en cours, il ne peut pas communiquer là-dessus. Du côté de l'Assemblée pour la République, estime également de leur côté que toute la lumière doit être faite sur l'assassinat du député national Chérubin Okende. En d'autres termes, les gens veulent savoir réellement l'opinion nationale comme internationale va interpréter sur la mise en application d'état des droits sous le président de la République actuel, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette affaire reste à suivre, très chers téléspectateurs, mais également fidèles abonnés du groupe média Top 243 News. Restez connectés pour plus de détails dans les jours à venir. Nous allons tous comprendre le verdict qui sera tombé sur l'assassinat du ministre honoraire des Transports et de la Voies et Communications. À très bientôt dans un nouveau numéro. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.